Accueillir. Women Art, la chaîne féminine sur YouTube. Dans cette vidéo, nous vous présentons une sélection d'œuvres d'art qui vous emmèneront dans le monde de l'enchantement. Du sens. Et du sens. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Aimez avec joie. Commentez de manière responsable. Et partagez avec vos amis et votre famille. Activez la cloche pour recevoir une notification chaque fois que nous publions de nouvelles vidéos. Poursuivons la présentation. Cette fabuleuse sélection peut ouvrir votre âme pour entrer dans le monde de la créativité, d'exister, du pouvoir révélateur des couleurs de carrosserie, du son de l'âme et le parfum du baume, dans la révélation dans l'esprit des lumières. C'est avec grand plaisir que nous vous présentons la peintre française, Marie-Gabrielle Capet, qui a vécu entre 1761 et 1818. Elle était une peintre néoclassique française. Capet est issue d'un milieu modeste, et sa formation antérieure et sa formation artistique sont inconnues. On sait qu'en 1781, elle devient l'élève du peintre français Adélaïde Labiguière à Paris. Elle excellait en tant que portraitiste et ses œuvres comprennent des peintures à l'huile, des aquarelles et des miniatures, qui ont été louées pour leur dessin virtuose et leur utilisation de la couleur. Dès octobre 1781, à seulement 20 ans, Capet produisait une œuvre étonnamment originale. L'œuvre, l'atelier, autoportrait d'Adélaïde Labiguière, montre deux étudiantes, Marie-Gabrielle Capet et Marie-Marguerite Carreau de Rosemont. Capet et Labiguière entretenaient non seulement une relation professionnelle, mais étaient également des amis proches avec une relation familiale. Capet, après être devenu élève, a vécu avec son professeur au Louvre jusqu'à la mort de Labiguière.